Kikou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On n'est pas sur Farming Simulator 17, on est sur Pro Farm Manager. Et oui, ça y est, on a accès à une Early Access tout simplement depuis aujourd'hui. Donc aujourd'hui nous sommes le 20 novembre. Oui, on est le 20 novembre. Voilà, donc Pro Farm Manager, c'est développé par Aslak Studio et édité par Expone. Voilà, ça vous dit peut-être rien. Mais voilà, donc c'est une Early Access, donc on ne parlera ni de bugs, ni de marques pas présentes dans ce jeu. On va vraiment se focus sur l'environnement du jeu, ce qu'on peut faire à l'heure actuelle, parce qu'à mon avis, on est bloqué à mon avis sur certains trucs, tout ne doit pas être disponible. Sachant que c'est un jeu qui doit sortir, je crois que c'est au mois de mars, entre mars et juin, je crois, de l'année prochaine, 2018. Donc, moi je suis super content, hein. Je suis arrivé, normalement c'est pas cette vidéo là que vous auriez dû avoir. Moi je suis arrivé chez moi, là je suis arrivé là. Et là, je reçois un mail, bon je fais pas gaffe, machin, truc. Et là je regarde, je suis merde. Et là il y a Steam, Pro Farm Manager disponible en Early Access. Oh, j'ai sauté sur le PC, je l'ai acheté, et nous voici maintenant en game. Donc présentation du menu, petit menu soft, mais sympathique. On voit derrière la petite ensileuse avec un petit tracteur de... Kubota, McCormick, on sait pas trop dans ce genre là. Donc vous voyez, on a le mode un joueur, on peut chercher la partie, le mode multijoueur qui n'est pas disponible. Voilà, je viens de me rendre compte qu'il n'est pas disponible. À mon avis, ce sera disponible que à la sortie officielle entre guillemets du jeu. On a les options. Voilà, des options à foison. Hein. Et pour l'instant, on n'a pas accès aux options. Voilà, tout simplement, on ne peut pas avoir accès aux réglages, donc du coup, il a fallu que je baisse le jeu directement dans le mélangeur afin que vous n'ayez pas le son trop fort par rapport à ma voix. On a les crédits. Donc les crédits, ben, vous allez voir, enfin... Hein, voilà. Et blablabla, et blablabla. Et mais, ils ont vachement d'humour, c'est un truc de ouf. Mon profil. Donc là, je sais pas du tout si vous allez... Voilà, super profil. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et des connexions. Voilà, ça, on va pas le faire tout de suite. Parce que je vois pas de quoi on se déconnecterait. Si, ah si, parce que je me suis connecté. J'ai créé un profil quand j'ai lancé le truc. Donc je me suis connecté. Donc ça doit être ça, déconnexion à mon profil. Et là, on peut quitter la game. Simplement, nous, ce qui nous intéresse, c'est le mode un joueur pour l'instant. On est parti, on clique sur le mode un joueur. Et voyons ce que ça nous donne. Donc on a un choix de zone de... départ. Bon, nous, je pense qu'on va partir dans notre sud-ouest préféré. On a le choix, du coup, on va regarder de gauche à droite ce qui s'y passe sur notre écran. Nous avons les pays avec la France, l'Allemagne, la Pologne, les USA, le Canada, le Brésil, le Royaume-Uni, l'Australie et la Russie. Après, il y a plusieurs types de filtres. On a la qualité du sol, le climat, la qualité du sol, l'ensoleillement. La pluviométrie et le relief. D'accord. D'accord. Après du coup, si on regarde la France, bon, je vais pas tout vous lire les pays, mais vous avez en gros un résumé. Son territoire s'étend de l'océan Indien. S'étend de l'océan Indien. Ouais, après il doit y avoir des problèmes de traduction. Enfin, je sais pas du tout. Après, ouais, ça parle du Royaume-Uni, des Pays-Bas, tout ça. C'est qu'on doit avoir des frontières. C'est qu'ils doivent pouvoir parler des frontières au niveau des points de vente, je pense. Faudrait le lire complètement. Je vous laisse faire pause au pire. Hein. Voilà, je vous le fais défiler. Je vous laisse faire pause parce que nous on va partir en France. Vous faites pause, vous lisez. Donc on va partir. Donc nous on part sur le sud-ouest. Le sud-ouest. Alors on peut voir que du coup nous avons en ville Bordeaux, Poitiers, Limoges, Pau, Agen. Bordeaux au top. Papa, on va pouvoir aller à la maison. Au niveau du climat continental, c'est tout à fait ça. On a une qualité de sol moyenne. Ouais, si on monte un peu sur Poitiers tout ça, on a quand même une bonne qualité de sol. On a un ensoleillement important, oui, on a une pluviométrie aussi importante. Un relief, voilà, c'est de la plaine. Culture, blé, difficulté, facile, température, il y en a pas. Il n'y a pas de température chez nous. Admettons, on aurait été ici. Ouais, pluviométrie importante, même en Corse. Ouais. Ouais. Par contre, on peut faire que du blé en France.
Ouais, bah après ça doit être parce que voilà, c'est comme je vous ai dit, c'est l'early access. Donc on est bloqué sur certains trucs. Et donc du coup, on va partir en Nouvelle-Aquitaine, les amis. C'est parti. Alors voyons, je suppose que nous allons avoir un tuto. D'ailleurs, en attendant ce petit chargement, je vous invite, si vous voulez en voir d'autres, ce jeu, après première preview de ma part, hein, sachant que vous avez quelques previews disponibles un petit peu partout, après une preview de ma part, si vous en voulez un petit peu plus, bah, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, tout simplement. Et puis voilà. Bon. Et maintenant. Ah, c'est parti. Ah oui, oh, on commence bien. Bienvenue sur Profile Manager. On commence bien, on a 1 million. Énergie 24 000 sur 20. Ah, attendez, on va regarder. Oh, en haut, on serait à 7 degrés. Nous sommes le 1er mars 2017, il est 11h. Nous avons 1 million de crédits. Ça, je pense que c'est de l'énergie. Alors, je sais pas trop à quoi ça représente. Peut-être. Je sais pas du tout. Je vais pas vous dire des conneries. Ça doit être, je pense, les employés. 325 de flotte, 500 de gasoil. Donc, on doit avoir une réserve d'eau et de gasoil. D'accord. Ça, c'est le. Je viens de cliquer dessus. C'est le corps de ferme. On n'a pas de message. On a une météo ensoleillée. En banque. Ah, on peut faire des prêts. Ah oui. On n'a pas de prêt en cours, mais on peut faire des prêts à près de 5000. Qui dure 2 ans avec des intérêts de 2%. Ouais, ça va, c'est pas trop des voleurs. Au niveau du personnel, ah, on peut embaucher des personnes. Voilà. Albert Depré, Alain Deloin, Jeanne-Marc, Jean-Phil Lebdou. Voilà. Avec des bons petits noms de personnages. Pour l'instant, du coup, on n'a pas d'employés. Voilà. Donc, bienvenue sur ProFarm Manager. Et après, à gauche, on a. Ça, je sais pas ce que c'est. La bergerie. D'accord. Après, ça va être, à mon avis, le menu. Construction, voilà. Non, s'il vous plaît. Merci. En haut, on a le radar. Alors, bienvenue sur ProFarm Manager. C'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, mon ami? D'accord, fallait cliquer là-dessus. Comment nous nous déplaçons? Allez, les flèches. Avec les flèches, d'accord. Donc il faut que je déplace mon clavier par là-bas. Donc nous déplaçons avec les flèches. Donc nous avons une petite maison. Voilà, donc on se débrouille apparemment. On fait ce qu'on veut. D'accord, donc on va explorer ça ensemble les amis. Et puis on va voir après ben, ce qu'on peut en penser. Par contre on a pas de... Oh, c'est quoi ça? Ah oui d'accord, oui parce que c'est un bâtiment avec fonction. Donc du coup on a ce truc là. D'accord. Vous voyez niveau texture déjà, enfin, la maison est fort sympatoche. Moi j'aime bien. Par contre, on peut pas pivoter ou non? Attendez, c'est peut-être parce que ma souris est pas bonne. Non, bah non, on peut pas faire tout ça encore. Peut-être par la suite. Donc du coup, ici, nous avons une bergerie. Description permet l'élevage des ovins. D'accord. Une chèvrerie, du coup pour les chèvres. Voilà, du coup la chèvrerie permet l'élevage des caprins. La porcherie, élevage des porcs, porcins, de l'élevage porcin, poulailler pour les volailles et une stabulation pour les bovins. Du coup, ah oui, c'était une bergerie pour les ovins qui sont les moutons. Merci bien. Ok, d'accord. Non, on va pas commencer par les animaux, on va... Ah, par contre, ah ouais, du coup, on peut faire un truc... Et modifier par exemple, après voilà, bon, là on a des niveaux, donc après on voit pas trop. Temps de construction, 30 heures. Ah oui, faut 30 heures pour construire le bâtiment. Donc là après faut voir... Ah oui d'accord. Ah ouais, non, mais ça, en fait là c'est comme si je l'avais sélectionné, d'accord. D'accord. Mais non on veut pas ça. Non, rien du tout. Nous, on veut pas ça. Nous, on va voir. Voilà, on a des bâtiments. C'est quoi? C'est un silo couloir. Donc, je suppose, pour faire de l'ensilage, permet de stocker maïs ensilé. Et de l'ensilage d'herbe. Petit bâtiment pour le matériel. Un hangar pour la paille et le foin.
Une fosse alizée. Ah oui, donc après, faut s'équiper de fosse alizée et tout le tralala. Pour ceux qui ont... Pâturage. Ah, attendez, on va créer un champ. Pour ceux qui ont joué à Simagri, on est un peu dans le même principe. Est-ce que je peux faire ça? Non, je peux pas. Ah, je peux pas construire sur cette partie-là. D'accord. Bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un champ là. Non, apparemment, t'as pas envie. Non, tu veux pas. Pourquoi tu veux pas? Peut-être parce qu'il faut avoir des bâtiments et des ouvriers. Ok. Ça, c'est quoi ça? Une route? Ok, bon, ça, on peut pas faire non plus. Et ça, c'est des barrières. Ah, un arrosoir. On peut s'acheter un petit arrosoir. Un petit arrosoir. Acheter. Ah, du coup, on a un petit arrosoir. Qui nous sert strictement à rien. C'est juste de la déco. Mais c'est pas mal, ça. Des petits éléments de décoration. Voilà, pour agrémenter. Bon, après, rien de spectaculaire qui ne servira pas à grand-chose. Juste à agrémenter. Non, mais du coup, on va partir, du coup, sur un petit bâtiment. Où c'est qu'on achète des véhicules? Ah, ça, on sait pas du tout, ça. Où c'est qu'on achète des véhicules? Alors, attendez, est-ce que... on va acheter un hangar pour le matériel. Ouais, on va le poser. Attends, on va le poser derrière notre ferme. Voilà, ici, comme ça. Voilà, acheter. Oui. Ah, est-ce que ça. Voilà, c'est la question que je me posais. Est-ce que ça nivelle le sol? Apparemment, ça nivelle le sol. Donc là, on a le bâtiment qui prend forme. Bon, par contre, ouais, comment on fait pour avoir. Des véhicules, s'il vous plaît. Comment fait-on pour avoir des véhicules? Compétences. On a des points de compétences. Immersion bovin, maîtrise bovin, insémination porcin. Ah oui, d'accord. Ah oh, putain, il y a pas mal de compétences à... Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Il y a pas mal de compétences à après. Maîtrise du plateau, tout ça. Après, à mon avis, ça va nous permettre... Réparer, sortir hangar. Non, réparer, non plus. Donc les bâtiments s'abîment avec le temps apparemment. Par contre, comment pouvons-nous acheter des véhicules, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut acheter des véhicules? Ça c'est la météo, ça c'est la banque, ça c'est le perso. Est-ce que si on prend un personnel... Jeanne-Marre, 35 ans, elle nous coûte un CDD de 12 mois, d'accord. Donc il y a des CDD. Oh putain, 5200 balles par mois. Ah, t'as fait putain. Elle s'en paye l'agriculture, hein. Après on va nous dire que ça s'en paye pas. Ah vache. Par contre, c'est quoi ça? 2 PA par jour. Ça, je sais pas du tout ce que c'est. On est à 1042 par mois sur un CDD, machin. Après, on a des CDD, on a des CDI. Donc, lui, il sera en CDI. Donc, il serait là tout le temps. On va prendre quelqu'un en CDI parce que, voilà, on a besoin d'un personnel. Voilà, on l'embauche. Voilà. Et du coup, on en a un nouveau qui est arrivé. Bah, du coup, je sais pas c'est qui, j'ai pas fait attention. Il a dû ramasser... C'est la riban... c'est la ribambelle qui est là. Ok, donc là, on a un employé. Personnel. Employé. Voilà. Viré. Non. On va éviter. Ok. On a un employé. On a... Et ça, c'est 29 000. 29 000 sur 29 000. On a augmenté. On était à 24 000. On en a 29 000. Comment on fait pour acheter des véhicules? Ben, je ne sais pas du tout. Puis on ne se déplace pas bien vite, je trouve. Bon. Comment puis-je coopérative. Ah, attends, voilà, coopérative. Tracteur. Marque, modèle, prix. Voilà, c'est tout. Eh, c'est tout con, c'était juste là. Merde. Oh putain, on est parti où là? Oula, fuck. Hop là. Coopérative, quête. Ah, on a des quêtes aussi. Est-ce que les quêtes vendre 2 Ferguson. Vendre 2 Ferguson. Je vais pas acheter, je vais pas les vendre. Je vais en acheter, moi, au pire. Mais du coup, il y a du Ferguson, quoi. Tout à l'heure, on est passé en plus dessus, j'ai même pas fait. Attends, on peut acheter des semences, on peut acheter des engrais, donc, du coup, du matériel agricole. Donc, dans le matériel agricole, nous avons les tracteurs. On va partir, hein, on va regarder comme il faut.
Du coup, on a les tracteurs, on a les outils agricoles, on a l'épandage et le traitement, on a les semis, on a les récoltes, on a pour la fenaison, on a pour le transport et la manutention, on a pour l'élevage. Jusque-là, on est d'accord. Est-ce qu'on a une image après de notre... Oui, voilà, ouais, on a une petite image à votre droite, là. Il faudrait que ça soit, à mon avis, vu le truc sur un fond blanc, à mon avis, on y verrait un peu mieux. Ça, c'est des choses qu'il faut leur stipuler, leur dire, parce que, voilà, après, eux, ils... Donc là, on n'a pas d'image, là, on n'a pas d'image. Ah, mais c'est des semences, donc ouais, on s'en bat les steaks. Céréaliers industriels. Ah oui, d'accord, on peut acheter de la pomme de terre, de la betterave. Colza, des tournesols, des pois. Et apparemment, c'est pas tout le temps les mêmes prix. Donc, va savoir pourquoi. On a de la fourragère. D'accord. Après, on avale des engrais, fumier, lisier. D'accord, on n'a pas des engrais. D'accord, prix de phytosanitaire, un fongicide, un herbicide, un insecticide. Donc, apparemment, il va y avoir de la maladie sur les plantes. On a la nourriture animale. Qu'on n'a pas du coup parce que après à mon avis c'est parce qu'on n'a pas d'animaux et on a les animaux donc du coup tout ce qui est bovin. Ah oui on a et on a plusieurs races donc on a la petite charolaise hein, charolais on a la petite blonde d'Aquitaine la Limousin Primochten Holstein la Montbéliarde la Normande la Brune des Alpes. Et la rouge des prés. À chaque fois, vous avez garçon, mâle, garçon et fille. Hein, ouais, parce que ouais, on est des petits enfants. Donc vous avez mâle et femelle. Du coup, pour la production, voilà. Après, est-ce que du coup, est-ce qu'avec un mâle et plusieurs femelles, c'est possible? Est-ce que pas? On sait pas. On verra si on continue là-dedans. Donc nous, on va s'acheter du matériel agricole. On va s'acheter un tracteur. Marc, clou. Et c'est cher un tracteur, con. Est-ce qu'on a la puissance? 530 chevaux. Ah ouais. 490, 435. 265, 280, 250. Celui-là, à mon avis, voilà, c'est ça. Bah écoutez, c'est quoi ça? Ça fait combien? 115 chevaux. 110, d'accord. Et le prix, ouais, c'est pas mal du tout comme prix. On a du foun, on a du masté. Du coup, est-ce qu'on a du massé? Parce qu'il parlait de Ferguson. Ben non, ben je sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Jeanne d'or, hein, ça doit être du John Deere. Voilà, tout à fait. Alors, pour faire plaisir à mon petit poteau le Barjot, on va partir sur un jaune d'air. Un jaune d'air, on va essayer de prendre un petit jaune d'air de 310 chevaux, 290, 270, 250, un petit 210 chevaux. Allez, on part sur un jaune d'air de 210 chevaux. C'est parti, on l'achète, validé, oui. Voilà. On va s'acheter des outils pour le sol. Donc, est-ce qu'on s'achète? Est-ce qu'il nous faudrait pas une charrue du coup pour pouvoir créer nos terrains? Ouais. Un poids, une puissance minimale. Ouais, donc celui-là, il le tirerait facilement. Ok, on va prendre celle-là. Et on va pas regarder tous les outils. On a du culti, on a de l'épo. Ouais, ok. On va essayer du coup. Où est mon tracteur? Ah, il arrive. Et ma charrue? Putain, en plus on se fait livrer quoi. Et c'est un truc de fou ça. Ma charrue, elle arrive aussi ou... On va juste mettre le temps un petit peu plus rapide. Ah mais il est passé, je l'ai pas vu. Allez, là. Alors, action véhicule. D'accord, donc là nous sommes sur notre petit jaune d'air. Donc on peut le réparer, on peut faire l'entretien, on peut faire une révision. Ce matériel agricole est trop bon état pour avoir besoin d'une révision. D'accord. Un entretien. L'entretien pour John Deere s'est bien déroulé. Apparemment, bon, on a dû payer quelque chose. J'ai pas fait attention. Action véhicule. Action véhicule. Attelé. Ah, mais ça, je sais pas, c'est pas, ça a pas dû arriver. Ah, mince. Action véhicule. Alors attendez, on va faire déplacer. Et action véhicule, déplacer. Comment on fait pour le déplacer?
D'accord. D'accord. Donc là, il va venir se mettre ici. Par contre, elle est où ma charrue? S'il vous plaît. Chercher une commande. Oh, d'accord. Et donc là, du coup, on peut rester en focus sur lui, non? On va... Hop. Voilà. Parce qu'on n'a pas le time. Il est où? Ah, il est là. Ok. Ça, du coup, je crois qu'on vient de passer 2 ou 3 jours. En fait, en faisant ça, on fait passer des journées. On va se remettre en normal. Ah, c'est bien ça. Donc, du coup, maintenant qu'on a lui, viens par là. Voyez, on peut quand même, entre guillemets, conduire nos véhicules. Donc, du coup, est-ce que maintenant on peut faire de la création de champs? Voilà, maintenant on peut faire de la création de champs. Pour 441 euros, on va se créer ce champ. Toi, alors, tu vas faire action champ. Tu vas attendre au champ, ameublir, endainer, déchaumer, décompacter, labourer. Hop. Avant demain, c'est possible ou... Est-ce qu'on peut... Ah ouais, on peut changer. On va l'appeler champ. Oula. On va l'appeler champ. Alors du coup, je découvre en même temps que vous, hein, donc il peut y avoir quelques erreurs. Champ 1, ouais, on n'aurait peut-être pas obligé de mettre... Mince. Bah du coup, un S, bon, c'est pas ravillé. Est-ce qu'on peut l'enlever? Ouais, hop. Voilà. Composition du sol. Alors, on n'a pas d'azote, on n'a rien du tout. Détruire, clôture. Ah, on peut le clôturer. On n'a pas de pouce. Hein, ça tue ça, ok. Donc, bah, écoutez, du coup, c'est qu'à mon avis, outils, non, dételer, dételle-le là. Ah oui, non, d'accord. Ah oui, tu l'as dételé à l'arrache.com, quoi. Ok. Donc, visiblement, peut-être qu'il veut pas le charruer parce que le champ est juste créé, donc ce n'est pas un problème. On va aller à la coopérative. Acheter capacité poids, faut qu'on regarde la puissance hein. Donc du coup on va partir sur du semoir un petit nadé, ouais petit nadé comme ça il a l'air bien sympathique, on a les chevaux nécessaires, c'est impeccable, on l'achète, validé, et on va acheter des semences, on va faire du blé, on va pas s'embêter, acheter, valider, voilà. Non, on ne peut pas se déplacer avec ces touches-là, on se déplace avec ces touches-là. Donc lui, du coup, on va lui faire action véhicule. Où c'est qu'on était tout à l'heure déplacé? Non, c'était pas ça. Coopérative. Chercher commande. Tac. Alors du coup, est-ce qu'on a des... Ça, je ne sais pas ce que c'est, ça. Est-ce qu'on a quand même notre employé ou pas? Du coup, je ne sais pas du tout. 28 000, 34 sur 29 000. Ah, ça a descendu. Ça a descendu, ça a descendu. Alors, attendez, en même temps, j'essaie de regarder si on peut faire pivoter tout simplement. Ou avoir des raccourcis sur le clavier en attendant que notre ami revienne. Voilà, il est revenu. D'accord, en fait, t'es comme ça parce que là, t'es en foi normal. D'accord. Donc, toi, tu vas venir ici déjà. Viens par là. Ah, et je crois que attends, je crois que t'as un problème. Détolé. Hop. Viens par là. Voilà. Action. Attelé. Le nodé. À l'avant, à l'arrière. À l'arrière. Attends, on va faire arrêt. Attends. Ah bon, apparemment, on peut faire que arrière 1. Ah, ça doit être ça le bug en fait. D'accord. Bon, c'est pas grave. N'oublions pas que nous sommes sur une île à Cossesse. Donc maintenant, on va lui dire action champ. On va lui dire de décompacter, ameublir, épandre, faner, faucher, labourer, passer, presser, ramasser, récolter. Ah. Attendre au champ. Champ 1. Oui, enfin, techniquement, il s'en bat les roustons, hein, que je lui dis ça. Action champ, on peut pas. Endainer, déchaumer, décompacter, épandre. Faner, faucher, labourer, presser, ramasser, récolter. Ah.
Alors attendez, à mon avis, qu'il faut qu'on fasse ça. Tac. Accotion champ. Ameublir. Champ 1. Ranger équipement. Hangar. Ah, cool! Est-ce qu'avec R on peut faire une rotation, non? Ah non, avec le clic de la souris. D'accord. Ah, du coup. Ah, ça c'est cool. Ah, du coup. Vous voyez, on peut ranger notre matos comme ça. Bon, c'est pas terrible. Range équipement, hangar. Hop! D'accord. Range équipement, hangar. Hop! Voilà. Bon, par contre, on est dans la merde techniquement. Status, nutrition 100%. Mais techniquement, confirmer l'appel. Confirmation d'appel à l'agronome. On va faire oui. D'accord, vous avez fait un appel à un agronome. Cela vous a coûté 150 balles. Donc, du coup, on sait ce qu'il y en a dans le champ. Détruire, clôturer, pas de pouce. Ouais, mais alors, comment on fait? Coopérative, chercher commande, on n'a rien du tout. Équipement. Ah, attendez. Ah, attendez. Ah, attendez. Atelier, action, véhicule. Atelier. On va y arriver, les amis. Atelier décroché. Ah. Sortir hangar. Le semoir. Apparemment, il faut le sortir avant. Du coup, action, véhicule. Atelier. Le semoir. Ah, par contre, on peut pas changer. Ah, vous voyez, du coup, action véhicule, attelé. On peut pas choisir celui à l'arrière, le 2. Donc, du coup, c'est ce qui fait que ça bug. Bon, c'est pas grave. Du coup, là, maintenant, voilà, on a le nodé qui est plein. Donc, bah ouais, bah, qu'est-ce que tu veux que je fasse alors? Contenance 0. Donc, là, maintenant, si je fais coopérative, chercher. Non. Ok. Entretien réparé. Entretien pour entretenir à nouveau. Réparer. Ok, d'accord, on n'a rien. Par contre, là où on est dans le caca, c'est comment on le remplit. Action véhicule, remplir. Ah. Alors attendez, on va retourner à la coopérative. Des semences, on va racheter des semences parce que je pense que ça s'est pas acheté, j'en sais rien. Confirmer l'achat blé 10, validé. Vous n'avez pas de local. Ah, on n'a pas de local. Ah, il faut un local. Vous voyez, il y a les petits messages en bas. On prend du temps pour des conneries, les gens. Du coup, comment on fait pour construire là? J'ai plus le menu. Putain, j'ai dû l'enlever, quoi. S'il vous plaît. Ah, c'est la touche C. Construction, du coup. Ok. Donc, il nous faut un. C'est quoi ça? Silo permet de stocker le blé, l'orge, l'avoine, trickle, maïs, tournesol, soja, pois, féverol. D'accord, ça c'est les silos de stockage. Permet de garer et d'abriter les véhicules. Les balles rondes, les balles carrées. Ça c'est permet de faire une déconner. Permet de traire. Ah oui, d'accord, il faut une salle de traite. Apparemment, c'est une salle de traite, d'accord. Salle de conditionnement pour les œufs. Cuve à carburant, une cuve à eau. Un local entrant. C'est ça qu'il nous faut, les gens. Bon, tout à l'heure, on cherchait du coup pour pivoter, du coup, c'est avec le clic droit de la souris. Acheter. On va juste passer un peu le temps. Oh, ah oui, bien. Ah, bien. Vous voyez, on n'avait pas cet aspect-là encore. De nuit. Impeccable. Oh, il pleut. Plus avec orage. Alors là, on va tout avoir du coup
Vraiment se faire une bonne idée. Bon, par contre, j'ai pas trouvé s'il y a rotation de la caméra ou pas. Ça, je ne sais pas du tout. Ah oui, non, mais là, je passe les jours. Ah oui, là, je passe les jours. Ah, sur la flèche de droite, vous passez les jours. Attends, on est le 19 mars. Et là, on passe heure par heure. D'accord, on va se remettre à la journée. Voilà, 9h du matin. Du coup, on va retourner à la coopérative. Acheter des semences de blé. Acheter. 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 Vous avez acheté du blé. Voilà. Tac. Action véhicule. Remplir. Local intrant. Du blé. 0 kg. Ben, mets la totale, hein, 20 kg. Voilà. On a 22 blés. Ok. Donc là, on va faire une action véhicule. Non, action champ. On va aller le. Bon, c'est toujours pas le semer d'ailleurs. Attendre au champ, l'ameublir, l'endainner, le déchaumer, le décompacter, le. Ah, du coup, maintenant, est-ce que. Faire si je fais faucher. Champ 1, labourer, presser, ramasser, récolter. Épandre. Peut-être que c'est épandre. Action interdite, vous tentez de procéder à une action sans le bon véhicule. D'accord. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Parce qu'à mon avis, il faut le labourer. On va voir ce que ça nous dit. On va pas le vider, on va le dételer. Le truc, on va sortir la charrue. On va atteler la charrue. Kubota. Ah, Kubota. Mais du coup, ici, voilà. Vous voyez, c'est pareil, la charrue, elle est à moitié attelée dans le véhicule. Bon, c'est des petits trucs à la con, mais c'est pas gênant. Donc, on va labourer le champ 1. On va l'éloigner pour voir ce qu'il ferait. Parce qu'apparemment, il s'en bat les coquillards. Action champ. Si on fait ameublir. Interdite, vous tentez. Voilà. Action champ. Endainner, déchaumer, décompacter peut-être. Mais on n'a pas un décompacteur, c'est pareil. Attention, interdit, machin. Action champ, labourer. Le champ 1. Et là, ça nous dit rien. Est-ce qu'il faut. Non, il s'en bat les coquillards. Bon. Alors, on a créé un champ. Et je tourne en rond. Et on sait pas comment s'en occuper. Bah, ça, c'est un peu couillon, ça. One hour later. Ah là, 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 on a. Oh là, attends, attends. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas de chemin. Attends. Putain! Je pense qu'il n'y avait pas le chemin. Eh, c'est tout con. Ah, c'est tout con, tu passes 1 heure sur une connerie. Ah, tu crois que j'aurais pensé à faire un chemin, moi? Allez, vous êtes peut-être des centaines de milliers de. Personne. Tu vas où? Viens! Fais pas le con, fais pas le con, Maurice, fais pas le con. Va pas travailler chez le voisin. Là, c'est parti, on laboure! Oh, par contre, c'est bon un truc? Oh, pourtant, on est toujours bon FPS. Moi, oh, je sais pas, ça saute. Après, il y a toujours pareil. Ouais, on est. Attends, j'ai eu peur. Et au moins, il roule pas dans le champ du voisin. Eh, c'est pas vilain, hein, si. Bon, par contre, le changement de texture, ouais, fait des. Ça fait baisser un peu les FPS. Mais là, on est sur du FPS fluide, entre guillemets. On est passé de 60 à 50, tout simplement. Hein, mais voilà, ça fait chelou. Et ça, c'est dès qu'il travaille. D'accord. Voilà, tout c'est tout des petits trucs qu'il faut
qu'il faut la stipuler. Je vais le faire. D'habitude, je le fais pas. Mais là, je le ferai. Voilà. Parce que franchement, pour moi, ce jeu a vraiment un bel avenir, tout comme l'a eu, tout comme l'a été Simagri, en fait. Du coup, est-ce que on peut s'acheter un deuxième tracteur? On a 850 000 euros. D'accord, on a 850 000 euros. Voilà, coopérative. Ah ouais, mais attends. Matériel agricole. Récolte. Parce qu'il va peut-être falloir acheter une moissonneuse-batteuse. Et là, il n'y a que les barres de coupe. D'accord. D'accord. Là, il n'y a que les bêtements de coupe. C'est dans les tracteurs. On va faire le tour. Hey, ça, c'est des... Ah, c'est des masses. Nous avons des masses. Donc, ça, c'est du tracteur. Ça, c'est un tracteur. Ça, le tracteur, c'est les John Deere. Oh putain! Oh putain! Ah là, on a du lourd. Ah là, on a du lourd chez John Deere. Là. Ah là, ça sort le lourd. Oh punaise. Bon, on n'est pas encore sur des véhicules comme ça. Hein, mais par contre, ouais, j'ai pas la... J'ai pas la moissonneuse. C'est pas dans les outils du sol quand même. Mais non, j'ai pour travailler le sol. Épandage et traitement. Oh, oh putain! Le Challenger, mon gars. Une pandeuse automotrice. Oh bah. Bertoud. Ah ouais, eh, franchement, il y a du beau matos. Il y, y a du matos, il y a de quoi faire. Pour celui qui aime vraiment la gestion. Par contre, ouais, récolte. Ah si, ben voilà, c'est au début. Eh ben voilà. Là, ça, c'est les New Yoland. Ça, c'est les New Yoland. Les New Yoland, les New Yoland. Les jaunes d'air. Ok, d'accord. Bah non, parce qu'il va falloir acheter la moissonneuse, techniquement. On va acheter la moissonneuse maintenant. Hein, validé. Et on va acheter une barre de coupe. Attendez, du coup, qu'est-ce que... Capacité 6000, puissance 285, ok. Qu'est-ce qu'on a de beau MB? Parce que, du coup, là, on achète quoi comme... Il nous faut une barre de coupe pour le maïs, pour le blé. Ça, c'est pour l'achillage. Et pourquoi il allait les plus ou moins cher? 5-6 mètres. Ah, d'accord. 5-6 mètres. Bon, je pense qu'on va acheter ça. Hein, voilà. Voilà, comme ça, après, on va acheter... on va acheter... à chaque fois, je veux me déplacer avec la souris. Il en est où, mon copain? Ah, il est là-bas, c'est... Ah, ben, il est parti. Ah non, il est là. On va acheter... bah attendez, est-ce que là on a la moissonneuse? Coopérative, commande. Va chercher ça, mon copain, parce que data, faut pas oublier la moitié. On va se placer un silo. Eh putain, deux véhicules, ça picote, hein? What? Attendez, on va se rendre directement à la ferme. Ouais, il y a encore quelques petits bug, mais ça passe encore, c'est pas dégueu. On va acheter un petit silo. Ah, mais attendez, donc là on a un silo de 100 mètres carrés. Bah, ça, je sais pas du tout ce que ça fait. Ah, ouais, donc là on a du lourd. Là, écoutez, on a du lourd, on va mettre du lourd. On peut pas le placer là. Acheter. Voilà. Donc là, on a notre silo qui va se construire. Comme ça, on pourra faire tout ce qu'il faut. Et c'est dès qu'il laboure, ça, je sais pas, ça doit tirer. Petite optimisation et puis c'est parti quoi. Et du coup, on est sur la version, je crois que c'est version 0.8, quelque chose comme ça. On l'a vu en début du game. Ouais, je sais pas du tout. Donc là, lui, il a fini de labourer. Regardez, on va voir ce qu'il fait. Alors, on a notre silo qui sort de terre. On va s'abandonner là-dessus. Attendez, hop. Comme ça, le prochain coup, on verra si on peut semer. Alors, c'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps, mais on connaît pas le jeu. Moi, je me suis pas spoil sur des previews d'autres youtubeurs. Donc là, à mon avis, il a fini. Bon, ça nous met pas une notification comme quoi il a fini. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui faire action véhicule, ranger hangar.
Ah, on peut pas. Ah ouais, parce que. D'accord. Alors, viens ici. Ça, on va le ranger dans le hangar. Ranger équipement dans le hangar. Voilà. On va. Action véhicule, 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 dételer la charrue. On va prendre la charrue, on va la ranger dans le hangar aussi. Et ça prend de la place tout ce matériel-là. Si je la tourne. Ah. Ah, attendez, on va optimiser la place quand même. Et on va. Action véhicule. Range dans le hangar. Hop! En marche avant, en marche arrière, pardon. Hop! Eh, c'est pas beau ça! Il en est où, Tintin? On va juste avancer un petit peu le temps. Il est où? Il est où ce con? Ah, il est là. Hop, on va l'emmener ici. Comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Non. Comme ça. Stop. Voilà. On va. Attends, est-ce que je peux le ranger lui? Ah, on peut directement le mettre dans le hangar avec sa barre de coupe. Ouais, bon, c'est un peu buggé du coup. Ça marche pas bien du coup. Action véhicule, dételer la barre de coupe. Action véhicule, on va le ranger dans le hangar maintenant. Et bah ça rentre toujours pas, hein. Voilà, elle est tout à goût à la machine. Bon, mais tant pis, c'est pas grave. Ok, du coup, mais on va la laisser là. Voilà. Après, ouais, il doit y avoir des tailles de hangar si on regarde. Donc ça, c'est les routes. Faut pas oublier de faire les chemins. C'est vrai que c'est tout con. C'est vraiment une connerie, mais ouais. Ah oui. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. 80 000 euros le bâtiment. Hein. Non, c'est pas ça qu'on voulait faire. C'était ça. 80 000 euros le bâtiment. Bon, il y a de quoi faire, les amis. Hein, moi, je pense que, ouais, ça peut être pas mal sur certains early access. Franchement, je suis vraiment, alors vraiment pas déçu du tout. À l'heure actuelle, au moment où je vous parle, je vous recommande ce jeu. 19,80 €, 20 € sur Steam pour l'instant en early access. Donc un jeu en plein développement jusqu'au mois de mars, avril ou un truc comme ça, je sais plus du tout. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Moi, je vous le conseille. Voilà. Après, joueur de Simagré, je ne sais pas du tout si pour vous c'est plus ou moins la même chose, mais à mon avis, ça ressemble. Bon, après, là, du coup, vous êtes en mode solo, donc quand vous allez arrêter la partie va s'arrêter, les cultures ne vont pas pousser. Par contre, après, il y aura un mode multijoueur où du coup, vous pourrez jouer en multi comme Simagri. Et du coup, vos cultures vont pousser, machin, vous viendrez les récolter, vous viendrez labourer, vous viendrez faire votre truc. Et ça peut être pas mal. Voir si on peut jouer avec les poteaux, pareil, plus ou moins dans un même environnement, ça je sais pas du tout. Faudrait que je leur pose la question. Ce qu'ils ont prévu par rapport à ça. Mais voilà. Donc si vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Mettez un petit like. Ça fait toujours plaisir. Même si je m'en fous un peu, mais ça fait quand même plaisir de voir que ça peut plaire. Hein. Et puis voilà, donc moi sur ce, moi les amis, je vous fais un gros zoubi. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. La suite, on va semer, on va construire un plus gros bâtiment pour pouvoir ranger notre moissonneuse. On va moissonner à mon avis, on va faire plein de trucs les amis, on va découvrir ce jeu, on va apprendre, on fera les animaux, tout le tralala. Mais bon voilà, moi je vous laisse. C'était une preview quand même assez grande, on est quasiment sur l'heure. Hein. Mais voilà, ça valait le coup. Donc voilà, moi je vous fais un gros zoubi les amis, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. C'est tout pour aujourd'hui. Zoubi les amis, tchuss. Pourquoi la machine? On est dans la merde.